Peuple de Dieu, je vais vous annoncer le programme hebdomadaire de la semaine. Donc lundi à 22h, vous avez l'intercession des mamans dans le groupe WhatsApp en ligne des mamans. Mardi de 18h30 à 20h, vous avez l'enseignement et le partage biblique ici à l'église. Donc si vous êtes disponible, c'est important de venir pour enrichir vos connaissances. Mercredi de 18h30 à 20h, vous avez le culte des mamans ici à l'église. Et également de 18h à 19h, le partage biblique ici à l'église entre jeunes. Jeudi de 22h à 23h, vous avez la prière spéciale en ligne sur la ligne téléphonique de l'église. Vendredi de 18h à 19h30, vous avez la réunion prière des serviteurs ici à l'église. Et le même vendredi de 18h à 19h, vous avez la prière ici à l'église entre jeunes. Samedi de 10h à midi, le pasteur il reçoit toute personne qui souhaite soumettre un sujet de prière, un problème ou une requête. De midi à 16h, vous avez la répétition de la chorale ici à l'église et également juste après, de 16h jusqu'à 17h30, l'intercession générale ici à l'église. Dimanche, de 11h à 13h30, vous avez le culte de louange, d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel. Également, je voulais rajouter que notre sœur Christina portera la flamme olympique demain pour le passage ici à Blois. Son passage débutera dès 19h au jardin de l'évêché au niveau de la grande mairie pour ceux qui ne savent pas. Je veux également rajouter que hier, lors de la journée sport, nous avons gagné tous nos matchs et nous avons ramené la coupe. Également, un enfant complémentaire. Donc, toutes les personnes ayant pris des engagements concernant le loyer de l'église sont priées de les respecter selon ce qu'ils auront à cœur de donner. Pour ce faire, vous pouvez vous rapprocher de Maman Kabeya ou de Maman Vidaline. Et shalom, excellent dimanche à tous. J'aimerais rappeler à toute l'église que le mardi, on clôturera l'enseignement sous le livre de Ruth. Amen. Les jeunes, soyez là, parce que c'est la prédication d'aujourd'hui. Ça parle de la foi, ça parle de la fidélité. Amen. Quand on a la foi, quand on est fidèle, Dieu va agir puissamment. Amen. Donc, j'aimerais voir tous les jeunes, tous les papas et toutes les mamans, mardi, ici, à 18h30, pour l'enseignement et le partage biblique. Amen. Amen.